Surveillante médicale à l'hôpital d'Al-Qatar à Alger, doyenne des infirmières dans cet hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses, figure parmi les nombreux portraits réalisés par le bureau OMS Afrique, un hommage qui a lui été rendu à l'occasion de cette période de pandémie du Covid-19, dans un témoignage dans le cadre de la Journée mondiale de la santé le 7 avril, placé sous le thème Rendant hommage aux sages-femmes, aux infirmiers et infirmières. Kerima Azouk, 25 ans de service à l'hôpital Al-Qatar. Elle exerce son métier avec amour et courage. C'est notre devoir d'être auprès de ces malades. Nous avons effectivement peur d'être contaminés, mais nous faisons très attention. Nous protégeons les malades qui ont besoin de nous, déclare la surveillante médicale. L'OMS lui a adressé un portrait à travers un entretien qu'elle lui a consacré sur son site. Lorsque le moment est venu de choisir ma voie, je suis allée dans le domaine de la santé parce que je voulais prendre soin des autres et pour moi, être infirmière m'a permis de le faire. Être infirmière est un métier très noble. Je ne changerai pour rien au monde, a déclaré l'infirmière. Le cœur de notre travail est le patient. En travaillant ensemble, nous veillons à ce que nos actions soient coordonnées afin que chacun joue son rôle au mieux de ses capacités. Prendre soin d'un patient ne signifie pas seulement lui donner des médicaments. Surtout, vous devez les surveiller de près de A à Z. L'infirmière algérienne note l'OMS et également doyenne des infirmières dans son hôpital. Je supervise les étudiants affectés à notre département. Je leur montre à travers mon exemple qu'une bonne infirmière doit être méticuleuse de son travail, être à l'écoute, être attentive. Kerima Azouk est fière de son engagement dans la profession. Je ressens un réel amour pour mes patients. Mais pour moi, le bonheur complet, c'est quand je vois la personne quitter l'hôpital de bonne santé, voir une personne se remettre dans une maladie et savoir que vous avez contribué. Je pense que c'est la meilleure chose au monde.